Hey, salut les fans de hockey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening sur le hockey Ultimate Team d'NHL 21. Et celui-là, c'est le pack opening tout simplement des récompenses du Rivo. Voilà, on est mercredi soir, les récompenses sont disponibles. Ça sort tout juste, hein. Il est 23h en France. On récupère ça les amis, tout de suite. Ensuite, on va aller voir s'il y a un peu de nouveautés. Et ensuite, on va pour voir un peu les chances ce qu'on peut choper du coup dans les packs. Voilà, toujours à tester la théorie de Bob Matt. Hein. On va ouvrir ça le plus vite possible pour maximiser les chances de choper les bonnes cartes. Du coup, ben, je pense, comme la semaine dernière, on va partir sur deux méga packs, les deux packs premium, tout ça en non échangeable. Hein. Là, voilà, je me ferai un peu moins de pièces à la boutique. Mais si on veut les grosses cartes, les amis, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on récupère. Voilà, allez, on se prend ça. Du coup, on va faire exactement comme la semaine dernière, on va se retrouver dans la boutique, enfin on va se retrouver dans mon inventaire, on ne va ouvrir par contre que les récompenses d'aujourd'hui, et tout ce qui reste dans l'inventaire, ce sera pour la vidéo de vendredi sur les récompenses de l'attaque ERH, des jalons, tout ça. Gros, voilà, vous commencez à connaître, les amis. Hop, alors, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti, les boys, cette semaine? Du coup, bah, apparemment, nouvelle carte de l'équipe de la semaine. Donc on a du Brent Burns 91, Mark Scheifele 90, Patrick Kane 89, Theodors 89, Ehlers 88, Pavelski 87. Il n'y a pas de joueur du CH cette semaine. Bjorkstrand 87, Kudobin 87, Braden Shane 86. Ensuite, voilà, ça reste des joueurs très corrects, mais sûrement un peu moins bons. Hotchek 86, Adam Fox 86 et Connor Murphy 84. Voilà pour la team de la semaine. Du coup, on pourra retrouver ces cartes toute la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti d'autre? Donc toujours les cartes LNH 2030. Est-ce qu'on a du nouveau, du coup? Ah, c'est possible. Non, Bowen Byram, c'était déjà disponible. Je ne vais pas parler sur la chaîne, mais c'est sorti il y a quelques jours déjà. Donc je crois que ça ne nous intéresse pas bien. Hop, au niveau des icônes. Ouah, voyez ça, mon Yvan Cournoyer qu'ils ont enfin rendu disponible en icône argent. Je verrai plus tard pour l'augmenter. Vous verrez à la fin de la vidéo, quand je vous montrerai mon alignement, mes plans ont un petit peu changé, en fait. Je vous montrerai ça. Ah, est-ce qu'ils nous ont sorti... Ah, voilà. Voilà ce que je cherchais. C'était tout simplement sur la première page. Les cartes temps fort, les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Possibilité, on a Romagnosi 89, McAvoy 87, Schulz 86, Provorov 85. Ils sont pas terribles, hein. Impression que les cartes temps fort sont vraiment pas top, là, aujourd'hui. Bizarre. Schwartz 85, Granlund 85, Brandon Saad 84, Duclair 84, Carl Pettersen 84, ensuite c'est pas top. Andrew Kopp 82, André Ghetto 80, un ancien du CH par contre. Et Carl Grunstrom 78. Bon, et ben, pas vous mentir, les cartes temps fort, c'est vraiment pas terrible cette semaine. Bon. Eh ben, vu que mon but, les amis, c'est d'ouvrir les récompenses le plus vite possible, eh ben, on va aller voir ça. On va s'ouvrir ça. Voilà, il est 11h05. Donc voilà, on n'a pas perdu énormément de temps. On va commencer par les petits packs. Hop là, les packs de base. Alors, ce qu'on va choper dedans. Évidemment, tout ce qu'on chope, ce sera pour les collections, ça fait plaisir. Hop là, Gabriel Dumont. Il me semble un ancien du CH, ça. Je vais devoir le garder pour ma collecte. Une célébration, on s'en fout. Un chandail bronze. Oh, le chandail du Rocket. Bon bah ça, je vais garder. Un joueur or pour la collecte. Ok, 76. Un logo argent. Un autre joueur or. Ok, Brandon Hickey. Un joueur argent 70. Un autre joueur argent 64. Et on termine par un joueur argent 68. Waouh. Et bah, il n'y a rien du tout dans ce paquet, les amis. Que d'Alchi, nada. Non, ça, c'est le genre de pack. Bon, il y a quand même quelques joueurs gold. Bah, alors, vraiment. Vraiment, rien de sans sas. Hein. Allez, on ouvre le deuxième. Oh, Philippe Dano, 81. Ok, j'avais pas sa carte. Non, c'est vrai que sa carte, je l'avais achetée en 82. Donc voilà, un petit 81 plus. Un Philippe Dano. Ça me fait plaisir, par contre, en tant que fan du CH. C'est cool. Hop là, un chandail bronze. Ah, je suis désolé, je peux souffler, je sais pas pourquoi. Un chandail argent. Un autre chandail argent. Un joueur argent 66. Un 70. Un chandail bronze. Un autre joueur argent 63 cette fois. Hop, une célébration. On s'en contrefout des célébrations, les amis, mais à un point,
Waouh, difficilement imaginable. Marc Flood 71. Faudrait que j'essaye. C'est vrai que pour mes synergies, faudrait que j'essaye d'aller me paquer un bon goaler argent ou bronze avec 3 synergies. Ce serait vraiment le top. Bon, et ben les amis, à part Philippe Dano, pareil, pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est un peu mieux, mais pas rien de fou, hein. Que de la collection de joueurs argent dans ce pack, sinon. Allez, le pack premium. Ok, on commence par un 65. Une bonne tête, lui. Un 71. 74. C'est du joueur gold. Oui, il est dispo dans l'événement et les nages 2030, celui-là, il me semble. Une célébration. Un chandail bronze. Un joueur or, ok. Un joueur argent. Un autre joueur argent. Un joueur argent et... Bon bah, ouais, bah on va dire entre nul et à chier environ. On va terminer par un chandail bronze même carrément. Putain on a... Waouh. Sérieusement, meilleure carte 74. Super. Oh le genre de pack de merde. Waouh. Alors celui-là il se posait là. Hein. Allez, en espérant avoir un peu plus de chance sur celui-là les amis. Ok, un autre chandail bronze. Un joueur or. Stolar 77. Ok. Un 66. Un autre joueur or 74. Un joueur or 78. Un 74. Bon, au niveau des joueurs or, on est déjà un peu mieux là-dessus. Le numéro 34, dont on se servira pas forcément. Un autre joueur or. Un chandail bronze. Et on termine par. Oh là 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 là. Un joueur argent. Et B. Les amis, pour l'instant, rien de chez rien de chez rien du tout. En espérant que le jeu m'ait réservé de grosses surprises sur ces paquets-là, on va dire. Allez, la pression. Là, les grosses cartes, c'est maintenant qu'elles doivent sortir, les amis. Et une petite mauve, comme la semaine dernière, ça ferait tellement de bien, ça. Allez, chandail bronze. Un joueur argent. Un joueur or. Joueur bronze. Bronze, n'importe quoi. Argent. Un joueur or. Un autre joueur or. Pour l'instant, rien de fou. Un chandail or des Devils. D'accord. Ça, c'est pas mal. Je prends. Un joueur or. Un joueur argent. Oh, ça s'allume. Martin Jones. Ok. Bon, pas une autre meilleure carte pour le moment. Ah non, il y avait Dano. Ok, mais un joueur or quand même. Enfin, joueur 81+. Ok, un chandail argent. Le 47. Oh, Lucas Orak, des BDL, des brûleurs de loups. Alors ça, par contre, ça me fait plaisir, parce que du coup, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis de Grenoble, en France. Du coup, c'est mon équipe locale, et c'est un gardien que j'adore particulièrement, voilà. Très très bon comme gardien à Grenoble, je suis très content. Lucas Orak, bah ça, les amis, pour vous, c'est un simple joueur argent 65, bah moi, c'est tout simplement mon gardien préféré en France, hein, globalement. Ah, je l'adore, Lucas Orak, bah je suis très content de tomber dessus, c'est super cool. Ah, donc celui-là, je crains pas de le crisser dans une collection. Lui, je vais bien me le garder précieusement. On enchaîne avec un chandail argent. Un joueur or. Un autre joueur or, 79. Un chandail bronze. Anthony Duclair, 80, d'accord. Ok. Oh, ça s'allume. 81 d'Eric Brassard. Ok. Bon, toujours pas top. Hein. 81, c'est loin d'être fou, les amis. 77. Ah! 81, super, dès que ça s'allume et que c'est du 80, je vous explique pas à quel point on est content, puis super. Allez, bref, on change. Ok, 81, donc 78. Ça, pour l'instant, ça a allumé 3 fois, mais rien, pour rien de fou. Hein. Chandail bronze. Une célébration. Putain, mais j'aimerais qu'ils arrêtent de m'enfiler des célébrations. J'en ai rien à cirer, le jeu, mais un point. Ville Einola, 77. Un autre chandail NHL, un chandail des Coyotes. Bon, tout ce qui est chandail NHL, je prends, ça fait bien plaisir. Chandail or, pour des collections, pas mal. Un casque de goaler, tiens, c'est le premier que j'ai eu dans le pack opening, je crois. Le numéro 35, 71, 74, ok, bon, ça partira en collection tout de suite. Et ça ne s'allume pas, oh! Eh ben, ça s'est pas allumé, les amis, pour la fin, mais quand même un joueur équipe de la semaine, Roslovic 80. Bon, bah oui, forcément, ça jouera pas, mais... Bref, ça va. Ah bah, Jack Roslovic, c'est lui qui a... C'est le centre qui a été échangé dans la transaction emmenant Patrick Laine à Columbus en retour de Dubois.
Ouais, ça a été la pièce un peu ajoutée du coup à cet échange. Ok, bon, ça va. Jack Roslovic 80, je garderai ça. Sinon, les amis, on n'a rien du tout. 81 maximum. Honnêtement, la carte qui me fait le plus plaisir, c'est Lucasorak 65. C'est dire. Vraiment, ce pack, il était nullissime. Nul à chier. J'espère qu'on a réservé la chance du coup pour ce dernier pack. Ce dernier méga pack, les amis, de cet opening. Le dernier pack. Allez, les 30 dernières cartes. Est-ce qu'on va être gâté cette fois? Commence par un 69. Oula. Je sais pas ce qu'il avait bu ou mangé avant, lui, de faire la photo, mais ok. On va prendre. Ok. 69. 72. Oh, Colin Wilson, 80. Ah, ça s'allume. Oh, Patrick Kane, 84. Voilà, ça commence à être de la carte assez sympa. Enfin. Bon, assez sympa sans être du mauve, hein. Ça, on se comprend là-dessus. Ok, c'est un doublon, donc je sais plus si j'ai déjà la carte en non échangeable ou en échangeable. Si je l'ai en échangeable, je la vendrai. Sinon, ça partira dans les collections. Mais faire partir une 84 dans les collections, ça fait un peu chier quand même. Donc, Patrick Kane 84. Ok, un 74. Un chandail des Leafs. Très bien. Chandail or, je prends. Un 66. 80, Ryan Kempe. Un chandail bronze, ça c'est moins fun les chandails bronze. Un joueur orc 74. Un orc 75, ça monte. Ah, ça s'allume. Ok, Alex Killorn, 81. Rien de fou. 76. On est à la moitié du pack, les amis. Une célébration. 63. Un 69. Oh, super, la synergie, l'entraîneur a un de synergie détonateur, c'est absolument génialissime. Ok, un 78, un chandail argent, pardon, un joueur or, on est dans le dernier tiers, Bobby Ryan, 80, un 74, bon, j'y crois moyen hein, pour avoir des trucs bien du coup, aujourd'hui je pense que j'ai pas de bol. Un chandail argent, un joueur or. Un joueur or. Ouïaïaïaïaï. Un joueur or à nouveau. 74. Il reste 4 cartes, les amis. Les 4 dernières cartes. 1000 pucks. Ok. Par contre, 1000 pièces, ça fait plaisir. Allez, le tiercé gagnant, les amis. Oh, on commence par un merveilleux. Ce tiercé par un merveilleux chandail argent. Oh, 69. Bon. Et ben, comme d'habitude, les amis, je prends une petite pause. On va pronostiquer ensemble, du coup, la dernière carte. Donc je vous laisse du coup mettre en pause et me dire dans les commentaires vos petits pronostics du coup pour cette dernière carte. Moi je vais être pessimiste et je vais dire un joueur argent 71. Voilà, je pense que je vais pas avoir énormément de chance. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes du coup. Stoppez, me mettre votre pronostic ou le mettre après hein, bien sûr, ne trichez pas. Sinon ça n'a aucun intérêt. Allez, joueur argent 71, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va s'allumer en mauve surtout? Hop, non, ça reste rouge. Oh, joueur or 74, bon. Bon, eh ben, on a terminé là notre pack opening, les amis. Et relayez, concrètement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde, voilà, clairement. On n'a rien eu de bon, rien. Bon, bah pour les, en tout cas, je me renfloue un peu en termes de cartes or pour les collections. Parce que j'ai tout envoyé mes joueurs or, les amis, parce qu'on avait, du coup une collecte où on pouvait échanger 100 joueurs or contre 3 collecteurs or. Donc ça valait le coup, j'en avais pas 100 malheureusement, j'ai écoulé énormément de joueurs de ma collection, même des joueurs 80 et 81, j'avais pas envie de le faire, mais bon, pour gagner un collector or gratuit, voilà, j'ai écoulé un peu des joueurs, je les récupérerai à l'occasion, hein. Puis de toute façon, honnêtement, je vais vous le dire, je les collectionnais, j'ai déjà oublié leur existence, j'ai déjà oublié qui j'ai envoyé, donc c'est pas si grave que ça, mais bon, tout ce qui est 74, 75, 76, j'ai aucun scrupule à virer ça. Donc il n'y a aucun problème, on a quand même récupéré un Patrick Kane. Non, on va dire que pour les cartes, on va dire que pour les joueurs argent et les joueurs or, ça va. Ce genre d'opening, surtout les méga packs avec 30 éléments, ça reste correct. Mais bon, disons que la semaine dernière, on a quand même packé deux énormes cartes dedans, une dans chaque, 1,90, 1,88. J'étais très 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 content, les amis. Ah, j'ai eu au retour, c'était tellement cool. Bon bah forcément, on n'aura pas la même chance chaque semaine, hein. Hop, allez, on s'envoie ça. On a quand même récupéré 1000 pièces. Pas si mal. Tout le reste, bien sûr, pour de la collection.
Bon bah les amis, prochain pack opening demain, exactement à la même heure, ce sera pour les récompenses, cette fois du clash d'équipe. Et là je vous tease, malheureusement, je pensais avoir finalement réussi à me monter en Elite 2, et ben je me suis fait sortir et il manque autour de 1000 points. Ouais, j'ai pas gagné assez de matchs en étoile les amis pour me maintenir Elite 2 comme la semaine dernière malheureusement. Semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. En tout cas voilà, on se retrouvera demain du coup pour l'opening du clash d'équipe. Donc un méga pack et 3 packs Carter Hart. Ça ira quand même, ça se fera. Hop. Bon, déception quand même. Là, je vous cache pas que vraiment c'est pas dingue du tout. Hop, je vous montre vite fait mon équipe. Parce qu'il y a eu par contre du changement. C'est suite aux vidéos de Bob Matt. Du coup, si vous passez sur la chaîne, je vous encourage en tout cas, s'il passe dans les commentaires, à cliquer sur son pseudo, à aller checker sa chaîne, parce que vraiment, il s'y connaît. Il connaît son hockey, les amis. Il donne de très très bons conseils sur le jeu. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. En tout cas, voilà. C'est sa dernière vidéo sur les synergies. Ça m'a fait changer énormément de trucs dans l'équipe. Vous voyez que du coup, j'ai remplacé l'équilibre par distributeur. Ça m'a forcé à faire pas mal de changements de joueurs. Donc le premier trio ne change pas, c'est l'année toujours, vous m'avez vu du coup le jouer dans le dernier live. Toujours le premier trio toujours intact, le deuxième trio également toujours intact. Et ben le troisième trio même toujours intact. Par contre, j'ai changé l'intégralité de mon quatrième trio. On a rajouté du distributeur avec Carbono, c'est la carte 84. Je pense que je vais essayer de le passer en 89 assez rapidement. Peut-être au même titre que Mike Modano. Mais Modano, je sais pas encore si je vais le conserver dans l'alignement. Il a du barrage. Moi, personnellement, je veux ajouter détonateur le plus vite possible. Parce que détonateur, distributeur, concrètement, vous avez des fusées sur patin, mais dans toute l'équipe. Donc, quand vous avez des joueurs qui ont déjà 92 d'accélération et de vitesse de base, et que vous rajoutez 4 d'accélération, 3 de vitesse, vous cramez tout sur votre passage, concrètement. Là, je viens de tester un petit peu, et franchement, c'est très, très, très rapide. Donc voilà, je veux ajouter du détonateur. Donc du coup, pour l'instant, j'ai fait uniquement des changements pour conserver mes synergies bête de somme, gladiateur, fabricant de passe, mais en rajoutant distributeur. Donc forcément, Guy Carbono, il va falloir l'upgrader. 84, ça va pas être... c'est pas suffisant. Modano, pour l'instant, il est là uniquement pour le point de fabricant de passe. Donc on verra plus tard si, s'il est intéressant. Je voulais peut-être ajouter barrage également dans l'alignement, mais je sais pas si je vais pouvoir. Et en tout cas, ma priorité, c'est distributeur détonateur. Voilà pour l'attaque, les amis. Quatrième trio qui marche bien. Je suis quand même content de l'envoyer sur la glace. On a Modano et Saint-Louis. Franchement, niveau vitesse, ça va vraiment pas mal. Par contre, en défense, on a changé 2 joueurs. Donc on a enlevé... qui c'est qu'on a enlevé? On a enlevé Philippe Ronek, et on a enlevé qui d'autre? Et on a enlevé Niedermayer. Niedermayer qui était là depuis très longtemps. Par contre, il est en équilibre et il est en bolide. Donc en gros, j'ai plus besoin d'équilibre et je n'ai pas bolide dans l'équipe. Donc c'est celui qui a cédé sa place. Parce que Bourque a un point de bête de somme. Kit a un point de bête de somme. Yuo Levy a un point de gladiateur. Gnip a carrément un point en passe et en fabricant de passe et en gladiateur. Donc lui, il ne peut pas sortir parce que dans ce cas-là, je me vire carrément 2 synergies d'un coup. Et du coup, pour combler les trous, malheureusement, vous voyez que j'ai pas de super joueurs, que ce soit en distributeur ou gladiateur. Voilà, vu que j'ai viré New One Dyke, il fallait que je rajoute un point de gladiateur. Et ben, je suis très content du coup, les amis, d'avoir packé Brent Burns dans le dernier pack opening d'événement. Parce que du coup, c'est mon meilleur défenseur globalement avec Gladiateur. Donc voilà, j'ai pu ajouter Brent Burns. Ça fait plaisir à ma copine en plus qui est fan des Sharks. Par contre, je suis revenu à Dougie Hamilton. Par contre, point de distributeur, je n'ai pas mieux que ça, les amis. Je n'ai pas mieux comme défenseur avec distributeur à mettre à la place actuellement. Donc il va falloir que je sois encore plus prudent défensivement. Parce que voilà, globalement, il jouera pas tout seul. Voilà, j'ai un petit déficit maintenant en termes de lucidité défensive, donc il va falloir moi que je mette les bouchées doubles de mon côté pour essayer de mieux défendre. Mais en tout cas, voilà, c'est le petit ajustement en défense, tout simplement, pour conserver mes synergies et ajouter le distributeur. Et l'autre énorme changement devant le filet, les amis, voilà, c'est que j'ai enfin pu ajouter Samuel Montembeau, qui végète du coup en équipe réserve depuis que je l'ai packé, dans un petit pack de joueurs, dans un petit pack reroll, les amis. Un pack de joueurs or, là, il m'a coûté, globalement, mon tombeau, il m'a coûté 8 joueurs argent. Voilà, des fois, on peut avoir de la chance. Malheureusement, c'était hors stream, donc maintenant, j'essaye de conserver un maximum mes packs de joueurs or. Surtout maintenant que je divise,
Parce qu'en fait, j'avais vraiment peur. Je voulais les ouvrir de mon côté parce que ça faisait énormément de packs en plus. Et du coup, voilà, pour éviter que la vidéo d'opening fasse une heure, parce que vous saviez qu'avant, j'ouvrais tout, hein, les récompenses de clash d'équipe, du rivo et des jalons, tout ça, j'ouvrais tout en même temps. Et du coup, vu que je voulais pas rajouter des packs pour que la vidéo soit beaucoup trop longue, je les ouvrais de mon côté. Et maintenant que je divise, donc aujourd'hui on a eu le rivo, demain on a le clash, et ensuite vendredi on se retrouve pour le reste, maintenant je peux me permettre de tout conserver, même mes openings de collection, parce que quoi qu'il arrive, maintenant la vidéo ne fera une petite demi-heure, hein, grand max, parce qu'on vire tous les gros gros packs à ouvrir en même temps. Donc voilà, je pourrais me permettre d'ouvrir tous les packs reroll en même temps, et devant vous les amis, au cas où un jour on ait à nouveau la chance de packer un gros joueur dedans. Et ça sera bien cool d'avoir ma réaction, parce que j'ai été très content de le packer celui-là. Et du coup, voilà, le point de distributeur, et je l'ai testé en match, parce que sincèrement, si vous avez suivi mon live d'hier, je ne pouvais plus blairer ma paire de gardiens, les amis. Mes goalers étaient nuls, Price et Plante n'arrêtaient plus un ballon de plage, les gars, mais quand je vous dis ça, c'est que vraiment, à chaque match, ils prenaient facilement deux buts pourris. C'est-à-dire, moi de mon côté, ça fait quelques jours que j'essaye vraiment de mieux défendre, de moins faire sortir mes joueurs, d'essayer vraiment d'être plus regroupé, suite aux conseils à nouveau de Bob Matt, hein, au niveau de stratégie défensive, tout ça. Donc moi, de mon côté, je joue mieux défensivement, j'offre moins de décalage à l'adversaire, je vais moins plaquer, j'envoie moins 3 joueurs d'un coup plaquer contre la bande pour laisser finalement le slot entièrement vide, je défends mieux. Mais quand vous défendez mieux et que sur un tir complètement anodin, et ben votre gardien il encaisse deux buts de merde, et ben franchement vos efforts ils sont tout simplement anéantis. Donc voilà, ça a précipité un peu mon choix de changer mes synergies tout simplement pour ramener Samuel Montembeau. Et j'en suis très content les amis pour les quelques matchs que je viens de jouer. Et ben tout simplement pas d'erreur, il est gros, il bouge bien devant le filet, tout ça. Il arrête quelques décalages quand je finis, ben, quand j'en laisse passer forcément. Je fais quand même quelques erreurs défensives. Et voilà, je suis très très content d'avoir pu ramener Samuel Montembeau, les gars. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous plaît à chaque fois, ma petite explication sur comment je fais, mes changements d'alignement, tout ça. J'espère que ça vous plaît, en tout cas moi ça fait plaisir d'en parler, d'en reparler de hockey, donc voilà, c'est bien cool. Bon, et bah les amis, voilà, on va mettre fin à cette vidéo, du coup à ce petit opening. J'espère qu'il vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir en lâchant un max de likes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater du coup des prochains lives et des prochains openings. Franchement, je fais énormément de hockey toute la semaine, donc il y a de quoi faire. Si vous voulez des exemples, n'hésitez pas à checker les vidéos que j'ai faites précédemment du coup sur la chaîne. Vraiment, il y en a pas mal, hein. Donc voilà, il y a de quoi faire. N'hésitez pas non plus à checker dans les commentaires tous ceux qui viennent, commenter la vidéo. J'ai vraiment pas mal d'abonnés qui font également du NHL de leur côté, qui ont également une chaîne. Donc voilà, si vous n'avez pas assez de hockey, n'hésitez pas à aller faire un coucou à tout le monde. Voilà, vous trouverez votre bonheur, ça c'est sûr, et je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Si vous voulez venir parler de hockey avec la communauté sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du Discord que je mets dans la description de la vidéo. Voilà, venez parler de hockey sur la chaîne, franchement, moi je pourrais en parler vraiment toute la journée. Et le Discord permet également de poster des fois quelques petits photos ou de parler hors vidéo, de programmer mes lives, de programmer quelques vidéos, tout ça, en gros, de vous demander votre avis. Donc super intéressant et important que vous rejoigniez le Discord, les amis, ça ferait super plaisir. Bah écoutez, je pense que c'était le mot de la fin. Je vous retrouve demain, du coup, jeudi, pour un nouveau live sur NHL. Cette fois, on se retrouve sur l'attaque RH. On va aller marquer notre 1,8 million, du coup, en points, pour avoir notre petit pack collector icône. Ça fera bien plaisir. Et demain soir, du coup, pour la prochaine ouverture de pack. Cette fois, ça concernera le clash d'équipe. Allez, je vous dis très très bon jeu à tous. Vive le hockey et à la prochaine vidéo, les amis. Ciao tout le monde.